Nous sommes le mercredi 16 décembre de l'année 2020. Et c'est le jour d'un canard, du canard. Aujourd'hui, c'est la fête. L'apprenti sorcier. Aujourd'hui, c'est le jour du canard et c'est la fête chez l'apprenti sorcier. Là, c'est calme et après ça va repartir dans du rythme. Et c'est aussi le jour du canard. Coin, 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 coin. Ah, très très puissant le groupe Ange. Ange, c'est bien. Ange, j'adore. C'était les frères d'échange, je crois, un truc comme ça. Christian et l'autre, je sais plus. La classe, la grande classe, comme moi. Aujourd'hui, c'est mercredi le 16 décembre de l'année 2020 et c'est le jour du canard. Ah ouais, j'ai oublié de me présenter. Ah, j'ai oublié de me présenter, je le fais comment c'est au début, là, je le fais à la fin. Vous me connaissez tous. Que l'expert. Et alors, je suis né le jour du canard. Le mercredi 4 avril
1962, vers 18h, d'une maman poule. Ma mère m'a trop gâté. Et il rigolait de toutes les conneries que je faisais. Parce que il y a eu, mon papa était un ancien déporté de Tambov, il est revenu avec que les idées noires, que tout noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, comme chantait Johnny Hallyday. Et puis voilà. Et donc, j'étais le guignol de la famille, il fallait bien quelqu'un pour faire rire les personnes. Mon père ne riait pas. Et je peux comprendre qu'il ne pouvait pas rire, vu que c'était comme ces GIs américains qui étaient revenus du Vietnam. Il y avait des flashbacks. D'ailleurs, l'État américain les a. Vous connaissez mon amour pour les Américains, les a complètement laissés tomber. Il avait des flashbacks, très probablement, des mines. Il était à Tambov, il a écrit un bouquin, un petit livret. Des tas de choses à raconter. Et donc, voilà. Et moi, moi je suis un accident. Il a dû déraper. Et là, maman, elle a dû le serrer un peu fort, comme ça, avec les jambes, comme elle sait faire, les expertes. Et puis, et coucou, revoilà. En ce mercredi 16 décembre de l'année 2020, il est 21h10. Je suis content d'avoir pu échanger quelques minutes, quelques secondes avec vous. Tu viens aujourd'hui, c'est la fête chez l'apprenti sorcier. Devine ce qu'il a préparé à ses enfants. Il a fait jaillir son élixir, acidulé les éprouvettes, ensorcelé de ses parents. Aujourd'hui, c'est la fête et le jour du canard. Coin, coin. Aujourd'hui, c'est la fête chez l'apprenti sorcier.